Alors, merci de nous donner la parole. Ce sera, on vous rassure, une intervention très très brève qui est liée à une actualité de lutte qui se prépare et pour laquelle on espère se retrouver bientôt très très nombreux. Donc le MRAP, ça a été dit, on est sur la cité d'Aubenas depuis très très longtemps. On s'occupe essentiellement de ce qu'on appelle les sans-papiers. On les aide avec nos moyens pour obtenir des papiers. C'est un vaste sujet, mais on est interpellé depuis hier par des situations sur les réfugiés ukrainiens dont on savait déjà qu'il y avait un discernement des plus graves. C'est-à-dire il y a les bons Ukrainiens et il y a les mauvais Ukrainiens, ceux qui ne sont pas blancs. Donc ça, on le savait au niveau national, qu'un tri était effectué. Aujourd'hui, on en a la preuve, puisqu'il y a un centre d'hébergement qui vient d'ouvrir sur la commune de Tarbes, et dans laquelle, effectivement, il y a des familles de pure souche, donc qui sont accompagnées vers leur demande d'asile pour qu'ils obtiennent, dans un délai très rapide, une carte de séjour. Et puis, il y a les... Mais il y a d'autres victimes de la guerre, donc des étudiants, mais qui ont la peau qui n'est pas blanche. Voilà, des étudiants africains qui avaient le statut d'étudiant, donc une carte de séjour, qui menaient des études souvent supérieures, qui ont fui la guerre, comme chacun d'entre nous l'aurait fait, et ils ont été les uns les autres dispatchés vers ces centres d'orientation. Avec un hébergement, et c'est là où le scandale nous fait frémir. On leur laisse un mois de répit. Au bout de ce mois, donc le délai se termine le 20 avril. Au terme de ce délai, s'ils ont été jugés suffisamment valeureux pour se trouver du travail, parce que bien évidemment, on leur propose pas de poursuivre des études en France, c'est très compliqué. Ils n'ont pas la maîtrise de la langue, enfin, les études ne sont pas les mêmes là-bas, donc non, on leur dit, on vous donne une chance, vous trouvez du travail, et on examinera votre demande de régularisation pour le travail. Contrairement à ce qui est... Donc, contrairement au régime qui a fait de la demande d'asile, voilà, quand on fuit une guerre, on peut prétendre à une demande d'asile, eux ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas ukrainiens. Donc on leur dit, y a plus de place pour vous en Ukraine, mais vous avez loisir de retourner dans votre pays d'origine. Donc c'est le cas de 11 jeunes qu'on n'a pas rencontrés encore, mais qu'on va rencontrer bientôt, qui sont désespérés. Certains nous disent, parce qu'ils ont compris très vite que ça allait être très difficile pour eux, la plupart sont francophones. Je peux vous donner les pays d'origine, mais ça importe peu. C'est 11 jeunes qui fuient le désespoir pour en trouver un autre ici. Donc je pense que on est en train de s'organiser pour réagir face à ce constat d'une politique nationale qui se durcit et qui veut à nouveau donner des gages à ceux qui, demain, malheureusement, pour prendre le pouvoir. Donc, je ne sais pas si tu veux compliquer, Cédric. En tout cas, ça paraissait important de vous faire part de ça ce soir, parce que vous êtes nombreux et qu'on espère vous retrouver sur des actions qu'on aurait à mener pour soutenir ces personnes-là. Voilà. Alors, un autre complément, mais qui est vraiment cynique, on leur dit qu'ils peuvent aussi faire une demande, ils peuvent faire une demande d'asile, mais à laquelle ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas éligibles. Ils ont fui leur pays, effectivement, d'une manière régulière. Ils ont fui leur pays, certainement parce qu'ils ne s'y sentent pas très très bien. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas retourner dans ce pays-là. Mais
ils ne peuvent prétendre au statut de droit d'asile, puisque vous savez que c'est un parcours individuel qui nécessite vraiment des preuves indélébiles comme quoi leur retour de leur pays d'origine, ils seraient soumis à des violences. C'est un pur cynisme, mais qu'on va s'employer dans un premier temps à dénoncer. S'ils préféreraient pas retourner en Ukraine plutôt que de se retrouver dans une situation complexe ici. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. Hassan de l'usine Tesca du Chélard, sous vos applaudissements. Merci de donner la parole à des ouvriers. Bonjour, je m'appelle Hassan Kamel. Je viens du Chélard, en Haute-Ardèche. Je suis délégué CGT, en train d'être licencié par une entreprise qui s'appelle Tesca, qui fabrique du textile auto pour sièges de voiture. Jusqu'en 2016, j'étais ouvrier chez Chomara, une entreprise familiale sur le Chélard. C'est à ce moment-là que Tesca, en 2016, a racheté la partie textile automobile, incluant le site ardéchois du Chélard, mais aussi les sites espagnols, portugais, tunisiens, marocains, chinois. En 2016, Tesca a employé environ 1900 personnes, dont 50 sur le site du Chélard. Et dès 2016, mes camarades et moi-même avons alerté sur la pérennité du site. Nous quittons en effet un groupe familial pour un groupe financier. Et par précaution, nous avons négocié une protection de 30 mois de non-licenciement, qui elle est arrivée à terme en mai 2019. La décision de fermer le site est tombée en septembre. Licenciement pour motif économique, alors que l'entreprise était ultra bénéficiaire. Nous avons tout de suite voulu démontrer que cette entreprise, qui en 4 ans a touché 430 000 euros de CICE, a tout simplement cassé notre outil de travail. En effet, elle a délocalisé une grande partie de la production vers la Tunisie et l'Espagne. Son projet, faire du site du Chélard un site de recherche et développement. Le matériel a commencé à être délocalisé, puis nous avons appris que des investissements qui étaient prévus sur le site du Chélard étaient réalisés en Espagne. Ces manœuvres auraient sauté aux yeux d'un enfant de 6 ans, mais pas aux yeux du tribunal administratif, qui lui a validé la régularité de la charrette de 50 licenciements. Les mêmes magistrats ont décidé que le motif économique était justifié. On peut pas leur en vouloir, on peut leur en vouloir tant qu'on veut, pardon, mais ils respectent la loi, et notamment les dernières lois Macron, qui disent dès lors qu'une entreprise ferme un site, cela justifie un plan de licenciement. Un seul obstacle s'est dressé sur la route de la multinationale, l'inspection du travail. Elle a refusé les licenciements des élus, mais il a suffi ensuite à l'entreprise de contacter le ministre du Travail qui a validé et cassé la décision de l'inspecteur. Oui, on peut pester, s'indigner, se révolter ou se battre comme nous l'avons fait, mais il faut être clair, le droit est fait pour les multinationales. Il est construit selon leurs intérêts. Les lois El Khomri, faites sous la présidence Hollande, les ordonnances sur le code du travail de la présidence Macron, laissent les salariés presque sans aucun moyen de se défendre juridiquement face à l'employeur. Ce sont les lois de l'argent, les lois de l'extrême argent, auxquelles nous avons désormais faire face. Tant que ces lois resteront en l'état, le rapport de force sera en faveur d'un patronat qui a des ailes. Combattre les lois de l'argent, le maire de notre ville l'a bien compris. Lorsque notre usine a fermé, Jacques Chabal n'est pas venu nous voir. Pas une seule fois. Après avoir vu le Chélard perdre plusieurs centaines d'emplois industriels en 15 ans, après avoir vu le carnage social, car dans les mots de son de l'Ardèche, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du boulot. Jacques Chabal a donc décidé de réagir en soutenant Éric Zemmour pour la présidentielle. Pour Jacques Chabal, lutter contre l'argent, contre la désindustrialisation du pays, passe d'abord par interdire les prénoms comme Laïla, Nadia ou Rachid. Entre cette extrême droite et l'extrême argent, il existe une autre voie. Les employés, ouvriers et salariés de ce pays doivent la choisir pour que cesse la barbarie capitaliste, pour que vive l'Ardèche et ses travailleurs.
Merci beaucoup.